Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un haul. Oui. En fait, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de haul, tout simplement parce que pendant le confinement, j'ai commandé que chez Mac. J'ai commandé 2-3 trucs. Enfin. J'ai pas commandé que chez Mac parce que j'ai du Amazon et du Morphe à vous montrer. J'ai commandé chez Colourpop. Enfin, voilà, j'ai fait moins de haul parce que forcément tu sors pas. Et comme j'ai pas trop eu de commandes en fait, voilà, j'ai aussi commandé chez Colourpop et Beauty Bay. Mais, enfin, Beauty Bay j'ai commandé hier, mais Colourpop c'est pas encore arrivé. Donc je vous ferai un autre haul Colourpop et Beauty Bay. Là, je me suis dit ce serait bien de vous montrer déjà ce que j'ai commandé chez Mac. Et chez Morphe Brushes. Et j'ai commandé un truc chez Amazon, mais je vous l'ai déjà montré en vlog. Mais c'est pas grave, on va le remontrer ici. Ouais, donc ça fait trop du bien de reprendre les hauls. J'ai l'impression, ça y est, d'être de nouveau une youtubeuse un peu beauté, tu vois. Faire voilà. Oui, alors hier j'ai eu un coup de sang, j'ai coupé ma mèche. J'ai coupé mes mèches de devant comme ça, pour faire un petit effet un peu plus, parce que sinon ça faisait comme ça et ça me saoulait, je me regarde dans mon miroir. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et sur les lèvres, je porte un des rouges à lèvres que je vais vous présenter parce que chez Mac, j'ai commandé que des rouges à lèvres. Je sais pas pourquoi, mais pendant le confinement, Mac s'est dit, tiens, si toutes les semaines on allait sortir une nouvelle collection. Sérieux, c'était ça quoi, c'était ça. Je me suis réunie chez Mac, j'ai jamais eu autant, enfin vu autant de collections passer là. En 2 mois, il y a eu 3 collections plus la fête des mères. C'est dingue. Et faut arrêter, hein. Alors, on va commencer tout de suite. J'ai rien dans les dents. Même pas. On va commencer tout de suite. Ce petit pull vient de chez Shein. Vous l'avez vu dans mon dernier try-on Shein. Voilà. Puis j'ai chaud, donc je vais vraiment faire fi ça. On va commencer par ce que j'ai commandé sur l'Amazon. J'ai commandé le Derma Roller. En fait, le Derma Roller, c'est un roller. Vous avez plusieurs diamètres d'aiguille, entre guillemets. Moi, j'ai pris la 50 mm. En fait, c'est un appareil qui va venir enlever la couche de votre peau. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que... Voilà, alors ça se présente comme ça, donc là il est stérilisé, en gros c'est, je vous ferai de toute façon des close-up, en gros c'est une petite manette, roll-on, avec énormément de pics dessus, des petites aiguilles, et ça, vous venez le passer sur votre peau, et du coup ça enlève la couche de votre peau, ça la régénère, et voilà, si vous avez des cicatrices ou autres, ça vient régénérer votre peau. Alors c'est assez abrasif étant donné que c'est des aiguilles, des toutes petites, il y en a plein des toutes petites aiguilles, donc si vous appuyez trop vous pouvez vous faire saigner ou autre. Alors ça fait pas mal du tout, c'est à faire toutes les 6-7 semaines, le temps que la peau se régénère, et c'est parfait pour enlever tout ce qui est, comme j'ai dit, taches et tout. C'est pas à faire sur des boutons, si vous avez des boutons en cours vous le faites pas, donc ça, parce que sinon ça va juste vous faire un gros spot, ça va l'inflammer de ouf votre bouton. Oh purée, j'ai chaud, je vais me dépêcher. Et voilà, et du coup ça vient régénérer votre peau, et moi je l'ai fait que une fois pour le moment. Après vous venez bien sûr bien stériliser le truc avant et après usage, parce que voilà, c'est quand même, faut pas qu'il y ait d'aspérité sur votre peau, faut pas qu'il y ait de produits ou autre, parce que faut que ce soit bien propre et tout, sinon vous faites rentrer des bactéries dans, enfin bref, c'est un truc de dingue le Derma Roller, et c'est trop bien. Moi depuis que je l'ai fait, j'ai l'impression que ma peau elle est ressortie mais nickel chrome quoi. Ensuite, on va passer à MAC Cosmetics. Alors, ils ont sorti, comme je vous disais, 3 collections, dont une qui est exclue à l'Europe. Voilà. Il y avait la collection Selena qui devait arriver, mais elle n'est pas arrivée en France. Elle est restée juste outre-Atlantique. Voilà, j'étais un peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave. Et moi, je commande pas sur le MAC US. Je pourrais faire, le faire en faisant une réexpédition de colis avec Shipito ou autre, un transporteur. Mais je ne fais pas, donc tant pis, c'est pas grave. Quoi qu'ils étaient beaux, les rouges à lèvres de chez, de la gamme, enfin de la collection Selena.
Enfin, on va commencer par la première collection qui est sortie, c'est la collection Bronzer. Je vous en avais parlé dans ma wishlist, j'étais trop... Alors ils ont sorti des poudres, le Fix Plus en teinte un peu glow, ils ont sorti des fards à paupières, ils ont sorti des trucs. Et ils ont sorti 5 rouges à lèvres. J'en ai pris que 3. Les deux autres, je pense que je vais me les prendre pendant les soldes. J'espère qu'ils seront soldés. Sinon, je me les prendrai. Mais en fait, ce sont dans la collection Bronzer. Alors déjà, le packaging est magnifique. Hein. Je vous ferai des close-up et tout. Mais le packaging est magnifique. Mais en fait, dans la collection Bronzer, il faut savoir que les rouges à lèvres qui sont sortis, c'était des rouges à lèvres qui avaient un fini soit lustre, soit cream sheen, voire amplified. Donc ce sont des finis très mouillés, c'est pas mat, c'est pas satiné, donc c'est pas... Là, je porte un cream sheen sur moi, enfin, ou je sais plus, enfin bref, je vous montrerai après, c'est pas de la collection Bronzer, mais ils sont vraiment très très beaux, et dans ces 5, il y en avait 2 qui étaient un peu nude, donc je me suis dit, je vais prendre ceux qui sont pas nude, et voilà, j'ai commandé aussi avec cette gamme-là, le rouge à lèvres des 20 ans de Viva Glam, que j'ai reçu, qui est toujours là, seulement je me suis fait avoir les 20 ans de Viva Glam. En fait, c'était un beau packaging rouge et tout, il n'y a pas de problème. Je peux pas vous montrer parce qu'il est dans la boîte qui est scellée pour un renvoi. Sauf que c'est le Viva Glam 1 et que le Viva Glam 1, je l'ai déjà. Ah bah, je vais pas m'amuser à le chercher parce que vous voyez tout ce qu'il y a. Le Viva Glam 1, je l'ai déjà. Donc en fait, c'est juste le Viva Glam 1 qu'ils ont repackagé. Qu'ils ont repackagé, et j'étais dégoûtée, donc j'attends avec le Covid, impossible de joindre le service client Mac. Quand t'envoies un mail, il te répond pas. Je suis partie au point UPS, ils ont jamais voulu me reprendre le colis. Enfin voilà, j'avais 15 jours, j'ai dépassé les 15 jours, mais je compte avoir le dernier mot, rassurez-vous. Je suis Madame Dernier Mot. Donc sinon, dans la collection Bronzer, comme je vous ai dit, j'ai pas pris les deux rouges à lèvres qui étaient un peu nude et tout, mais sachant que Amy de la chaîne Beauty by Amy, elle en a pris un, elle m'a envoyé un swatch, elle m'a dit regarde, je l'ai pris celui-là, je dis oh, celui-là je l'ai pas pris, j'attends les soldes et tout, et finalement ça rendait super bien. Donc voilà, j'aime bien aussi les nudes, hein. Je porte pas que des rouges à lèvres très dark. Enfin voilà, il y en avait 3 autres qui m'intéressaient, qui n'étaient pas nudes, donc il y avait le côté d'amour, le côté d'amour, le côté d'amour. Alors le packaging, alors le côté d'amour, c'est un amplified crème, il est magnifique, il est juste trop 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 beau. C'est un rouge à lèvres dans les roses comme ça, mais sur les lèvres ça fait très, je trouve que ça fait très sophistiqué, ça, j'aime beaucoup, limite ça me vieillit j'ai envie de dire, mais je l'aime énormément, il est vraiment très 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 beau. Ensuite dans le même délire comme ça, il y a le Kando qui est juste trop trop beau. Cannes comme Cannes, la ville de Cannes. Et celui-ci, c'est un lustre. Alors moi, j'ai très très peu de finis lustres parce que les finis lustres, c'est un peu comme des baumes à lèvres, mais en teinté. Bon, après, ce qu'il y a de bien avec les MAC, parce que vous me demandez toujours au niveau des finis, plus vous en mettez et plus la couleur sera opaque. Après, qu'il soit amplified, qu'il soit mat, qu'il soit lustre, qu'il soit glazed, frost ou peu importe, il est toujours aussi bien niveau tenue, enfin voilà, ça reste quand même des rouges à lèvres MAC. Donc le Kando qui est juste un orangé magnifique, il est au rouge orangé mais très très orangé, je dirais plus entre le orangé et le corail, il est juste trop beau, je l'ai déjà porté et il est magnifique. C'est un rouge à lèvres à voir si vous aimez un peu ces couleurs là, et puis là pour l'été, le printemps, ça va juste être trop 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 top. Et ensuite, gros coup de cœur de cette collection, c'est le Wham. Alors le Wham, ils ont fait un fini qui n'existe pas chez MAC parce qu'ils ont fait un dazzle. Alors le dazzle, c'est un mélange entre le lustre et le frost en fait. Alors le frost, généralement, ce sont ceux qui ont des petits irisés dedans, à la limite du métallique, et le lustre, bah, c'est ce que je vous ai montré avant, le fini un petit peu rouge à lèvres, baume à lèvres teinté. Je comprends pourquoi ils ont fait ça, tout simplement parce que quand vous l'ouvrez, le packaging est complètement pailleté, mais quand vous le mettez sur les lèvres, ça a un effet très mouillé. Voilà, alors les irisés ressortent de ouf, mais il est juste magnifique celui-ci. Pareil, je l'ai porté et ça faisait des reflets sur les lèvres, c'était juste... Vous êtes pas prêts. Ah non, franchement, c'était trop trop beau.
ont sorti une autre collection, je crois que c'est King of Honor, un truc comme ça, qui est toujours hein, sur le site. Et ils ont sorti dans cette collection-là, alors il me semble que c'était 4 rouges à lèvres. Oui, 4 rouges à lèvres. Mais en fait, ce sont juste des rouges à lèvres qui sont repackagés, c'est-à-dire que le packaging est en édition limitée, mais le rouge à lèvres, la couleur en elle-même, ce sont des rouges à lèvres qui existent déjà. Attendez, parce qu'il me semble que c'était 4. Je vais regarder sur le site internet. Alors du coup, moi, vu que les couleurs, je les avais pas, au niveau des prix, hein, quand c'est des éditions limitées chez MAC, ça change pas. C'est toujours 20€ le rouge à lèvres. Ça change pas du tout. Il y a juste les Viva Glam, je crois qu'ils sont à 19,50€. Et les Viva Glam sont reversés toujours à une association. Là, c'était reversé pour le Covid. Mais sinon, il me semble que c'est reversé pour le cancer du sein. Voilà, alors on va regarder au niveau des nouveautés sur le site. Alors, bah c'est bien parce que je ne la vois plus, cette collection. Alors, on va regarder dans les produits. Maquillage, lèvres, rouge à lèvres. Alors, il y a bien 4 teintes. Donc, c'est Honor of King. Donc, il y a bien 4 teintes. Alors, moi, j'en ai pris 3 parce que la quatrième, il me semble que je l'avais déjà. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite parce que là, ça bug. Hop. Oui, c'est ça. En fait, le quatrième, c'était le Marrakech. Mais le Marrakech, je l'ai déjà. Si vous n'avez pas le Marrakech, foncez parce que le Marrakech est un rouge à lèvres qui était en édition permanente chez MAC, qui a été sold out, on ne le trouvait nulle part. Pendant plusieurs années, on ne le trouvait plus du tout chez MAC. Il avait ressorti dans le MAC Canada et on en a eu quelques-uns qui sont arrivés dans le packaging normal en France. Donc du coup, je l'avais trouvé dans le magasin MAC de Belle Épine, il me semble, et puis du coup j'ai foncé, je l'ai pris, c'était obligé, et donc je l'ai déjà. Donc ils ont sorti le Marrakech qui est un mat, par contre les autres ce sont pas des mats, alors je vais vous montrer ça. Donc à chaque fois, pour chaque rouge à lèvres, vous avez un packaging qui est différent. Donc là on a ce packaging là qui est le Dariou. Voilà, qui est juste en transparence comme ça. C'est pas les plus beaux, mais ça fait toujours plaisir dans la collection. Donc le Dariou, c'est celui que je porte sur les lèvres. Donc c'est un rouge un peu bordeaux, mais qui a un fini très lustré. Et effectivement, c'est un crème sheen. Alors, qu'est-ce qu'un crème sheen? Un crème sheen, je dirais que c'est un fini... bah crémeux, tout simplement. C'est un fini crémeux, ça tient pas comme un mat, mais c'est tout aussi pigmenté, comme vous pouvez le voir. Alors moi, comme j'ai un problème de contour des lèvres, j'ai pas un beau contour des lèvres dessiné, systématiquement je mets du crayon à lèvres. Donc est-ce que ça aide à faire mieux tenir les crayons? Je peux pas vous dire, les rouges à lèvres, je peux pas vous dire parce que bah, j'en mets tout le temps, moi. Je mets jamais de rouge à lèvres sans crayon, donc je peux pas vous dire si ça file ou pas parce que j'ai toujours un crayon. Ensuite on a le Paramount, qui, comme le Dariou, le Marrakech et l'autre que je vais vous montrer après, est en édition permanente dans le packaging noir normal. Là dans cette collection là, il est avec ce packaging là, il est trop beau et c'est un satin. Alors, c'est un très beau marron, je l'ai déjà porté, le Paramount. C'est un marron un peu grisé, il est trop beau, mais il est quand même assez foncé par rapport à un grège ou peu importe. Hein. Par rapport au Stone d'ailleurs de chez MAC, qui est vraiment un grège, enfin il est magnifique le Stone de chez MAC. Alors, le fini satin, je vais y arriver. Le fini satin, c'est en fait... l'après-matte, moi j'appelle ça l'après-matte, c'est un matte, une couleur matte, des fois on a du mal à les différencier d'ailleurs, mais qui est un tout petit peu plus glowy, un effet satiné sur les lèvres en fait, mais il a vraiment cet effet matte, mais je sais pas comment vous expliquer. Au début je prenais que des mattes et des satins, le satin c'était mon préféré, après je suis passée sur les frosts, enfin je suis passée sur les frosts, j'ai découvert les frosts que j'adore, donc ceux qui ont les finis un peu pailletés, métalliques, et finalement maintenant j'ai beaucoup de cream sheen, et après il y a des petits qui viennent se rajouter comme les lustres et tout ça, qui sont juste voilà, les amplified, comme j'ai dit là, l'espèce de baume à lèvres, j'en ai moins mais je les aime quand même ceux que j'ai, donc voilà. Enfin en même temps vous m'avez déjà entendu dire que j'aimais pas mes rouges à lèvres MAC.
Et ensuite, le troisième que j'ai pris, c'est le Party Line, qui, encore une fois, fait partie des collections permanentes, mais pas dans ce packaging. Là, il a un packaging avec un dégradé de bleu qui est juste trop, trop beau. Et le Party Line, c'est un cream sheen, donc c'est un marron, mais avec des sous-tons bordeaux dedans. Il pourrait s'apparenter un petit peu au Sin ou au Aya, mais version plus... plus lumineux, déjà parce que c'est un crémeux, et avec un peu plus de marron dedans ou de rouge, je dirais. Voilà, donc ça c'était pour la collection Honor of Kings. Voilà, qui est... J'étais floue il y a 5 secondes là ou quoi? Qui est juste trop trop belle. Et ensuite, la collection qu'on a eu exclusivement en Europe, c'est la collection Masterpiece, je ne sais plus quoi. Et il y avait 3 rouges à lèvres dedans. Donc je les ai pris. Ils sont juste... Donc là, c'est des teintes inédites. Donc obligé de craquer. Il me semble qu'on a des mats et des satins dedans. Donc comme je vous ai dit, des couleurs qui tiennent extrêmement bien. On tourne dans cette collection autour de tout ce qui est mille et une nuits. Un peu terracotta, vous voyez, des trucs très poudre, enfin très couleur terre plutôt. Il y a une palette, il y a un col, il y a un mascara, il y a le fameux bronzer, enfin le fameux, si je crois qu'il y a un bronzer, mais il y a aussi le fameux highlighter, d'ailleurs c'est celui que je porte, mais c'est pas de cette collection là. Donc on va commencer tout de suite. Alors le packaging, comme je vous ai dit, je vous le remontrerai. J'ai pris la teinte Tender Cotta, donc Terracotta, Tender Cotta, voilà. Il est juste trop beau, une pépite. Moi, je peux pas dire non à Mac. J'attends trop les soldes. D'ailleurs, je sais même pas quand ce que ça va être les soldes là. Je sais même pas si on va pouvoir faire les soldes. Mais je pense, au vu de la conjoncture des choses et tout ça, qu'on aura de sacrés soldes, je pense. Alors, le Tender Cotta est un mat et c'est un marron. Magnifique, il est trop beau. Je l'ai aussi porté déjà. Bah, je me suis kiffée hein. Pendant le confinement. Moi, je tournais des vidéos et quand je sortais, bon, bah, bien sûr, je pouvais pas avec le masque. Mais sinon, quand je pouvais, je me faisais kiffer avec mes rouges à lèvres. Hein. Voilà, je les ai pas achetés pour rien. Donc, celui-ci, je l'ai déjà porté. Il est vraiment très beau. Bon, en fait, je crois que je les ai tous portés. Hein. Ensuite, on a le Clay Rose. Qui est juste aussi, mais je vais vous dire ça à chaque fois, mais je suis en amour. Enfin voilà, le Clay Rose, c'est un mat également. Il est juste trop beau. Celui-ci, il pourrait, alors celui-ci, il ressemble fortement au Velvet Teddy, je crois. Et celui-ci, on pourrait dire que c'est un peu un mélange entre le Pink Plaid et le, oh, je sais pas, enfin bref. De toute façon, les couleurs MAC, on dit toujours c'est les mêmes. Non, non, c'est inédit. Hein. Si vous les swatchez les uns à côté des autres, vous verrez, c'est pas pareil. Donc voilà, et la couleur MAC... la couleur MAC. L'odeur des rouges à lèvres MAC, c'est toujours un délire. Enfin, voilà. Et le petit dernier de cette collection, c'est le Amber Sand. Est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'il est trop beau? Alors le Amber Sand, c'est un mat aussi. Ah bah je pensais qu'il y avait un satin, mais non. D'ailleurs, le Clé Rose et le Amber Sand, je ne les ai pas encore portés. Alors le Amber Sand, ah, il ressemble fortement au Whirl de chez MAC, pareil. Mais juste trop beau. Il faut savoir que ça, ce sont des collections limitées. Vous ne retrouverez plus les couleurs après. Donc c'est dommage si vous êtes une fan de rouge à lèvres MAC. Bah, c'est pour ça que j'ai passé commande, parce que effectivement je savais qu'après je les retrouverais plus, et donc voilà, il faut foncer. Il y a des nénettes qui les revendent sur Vinted. Bon, là j'ai pas encore vu ces collections là sur Vinted, mais après vous les retrouvez des fois sur Vinted à des prix c'est abusé. Et sur Vinted, vous avez 90% des rouges à lèvres MAC qui sont faux. Voilà. Donc faites attention. Moi je les reconnais parce qu'effectivement par rapport à la pastille, par rapport à plein de trucs. Voilà. Ensuite, on va commencer, enfin on va continuer et terminer par ma commande chez Morphe Brushes, enfin Morphe, Morph, comme vous voulez, Morphe. J'avais acheté à l'une d'entre vous la palette 35i Icy Pony, donc qui est la palette de pastel, que j'ai adoré. C'était la première fois du coup que je testais un produit Morphe.
cette palette est juste ouf. Je suis tombée amoureuse quand j'ai fait un make-up, j'ai fait oh. Et j'osais pas commander sur le site de Morphe parce que je me suis dit c'est un site américain. Et en fait non, vous n'avez pas de frais de douane, tout est compris quand vous faites votre achat, tout est compris dans le prix en fait. Donc du coup vous n'avez pas de frais de douane et il y a souvent des réductions. La qualité, franchement j'étais juste étonnée par rapport à la Icy Fantasy là. Celle-ci qui est magnifique, que maintenant est sold out, tout le monde se l'arrache. Moi j'ai kiffé ma race avec. Donc je me suis dit, j'ai envie de tester. Dans ma wishlist, il y avait la 24A qui était en haut de la wishlist. Et je me suis dit vas-y je vais tester. En plus j'ai vu passer sur internet, moi je vais sur Google, je tape code promo Morphe, code promo Beauty B, code promo MAC, et je regarde ce qu'ils me proposent. Et ou alors si vous avez la petite barre aigrale, enfin bon je vais pas vous réexpliquer tout ça, mais en tout cas là j'ai vu en tapant sur Google code promo Morphe un moins 20%. Sachant qu'en ce moment il y avait que des promos moins 50, moins machin. Donc j'ai pris la mini James Charles qui elle était à moins 50%, et en plus dessus j'ai eu 20%. Donc en tout ma commande j'en ai eu pour 40€ je crois, frais de port compris. Je crois même que les frais de port étaient offerts. Enfin voilà, donc du coup j'ai commandé la James Charles, j'ai pris la petite, pas la grande parce qu'apparemment la grande est beaucoup trop grande. Et j'ai fait un make-up hier avec, vous l'avez vu dans ma vidéo Try on Shein, c'était ou sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Insta dès que je fais un make-up et tout ça, je pose mes petites photos là-dessus. Donc j'ai pris voilà la Morphe en collaboration avec James Charles. Alors avant ils disaient que c'était cruelty free et tout ça, maintenant ça ne l'est plus apparemment. C'est pas vegan, c'est plus cruelty free. Je ne sais pas pourquoi. Enfin bref, sachant que à chaque fois que ça arrive, c'est super bien protégé. Donc vous avez la palette qui se trouve dans un truc bulle qui est à l'intérieur du carton. Enfin voilà. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que autant la Icy Fantasy, ils ont gardé sur la palette la Color Story. Et là, vous avez mais là, c'est tout noir. Enfin voilà. Donc la James Charles qui est juste trop trop belle. Et je me suis beaucoup tâtée à la prendre celle-ci parce que bon, c'est vrai qu'en ce moment on voit beaucoup de palettes en mode arc-en-ciel comme ça avec beaucoup de couleurs. Et mais finalement je me suis dit bon vas-y, elle est en réduc, elle a moins 50%, prends-la. Elle a longtemps été sold out sur le site et je me suis dit vas-y. Et au final j'ai été super étonnée au niveau des fards qui sont irisés. Quand vous les mettez sur les yeux, ça fait des fards multichromes, enfin duochrome, c'est... Voilà. Et puis du coup les mattes que j'ai utilisées, bon moi je suis restée dans les mauves hein, pour mon make-up. J'ai pas testé autre chose parce que je l'ai reçu il y a quelques jours. Et bah ça se travaille super bien, franchement je suis hyper étonnée. Donc je me suis longtemps tâtée, je me suis dit au pire tu la revendras. Et bah non, je vais la garder parce qu'au final j'ai pas 50 palettes comme ça. Je vous dis ça, je vous dis rien, mais laissez-moi tranquille. Donc je suis super contente, il y a beaucoup de fards. Les pannes des fards sont petits, mais avec un pinceau ça se prélève très très bien. Et au milieu vous avez une rangée de couleurs neutres comme ça. Je sais pas pourquoi les fards du milieu sont plus grands. Mais bon, en tout cas, elle est vraiment pas mal, palette à avoir, et je trouve que la pigmentation est vraiment super top, donc je suis hyper contente. Et ensuite, j'étais obligée, mais cette palette, c'est un truc de malade. Oh, je la voulais tellement, et puis je voyais les vidéos des copines passées. Il y a Lily Muse, Olivia Moore qui a fait également une vidéo là-dessus. Je crois d'ailleurs qu'elles avaient fait la vidéo genre un défi toutes les deux, un challenge genre à se maquiller toutes les deux avec cette palette. Bref, je l'ai vu passer partout, les grandes youtubeuses Marion Caméléon et Yoko Rally, enfin bref. Donc pareil, elle arrive dans sa palette, vous voyez celle-ci elle a gardé la couleur. C'est en collaboration avec une rappeuse hein, il me semble, enfin je ne la connais pas. Donc elle était aussi dans ça et elle est juste magnifique. Je ne l'ai pas encore utilisée parce que quand je la regarde je suis là, je bloque, je sais pas quoi faire tellement elle est belle, elle est magnifique, c'est un truc de dingue. Alors je vous ferai un zoom bien sûr pour que vous puissiez
vous rendre compte de la beauté de la chose. Alors cette palette, je la mets dans mon top 3 de mes palettes préférées, sachant que la première en haut de ma liste, c'est la So Jade de Colourpop, qui a le même délire, je trouve. Et celle-ci, elle arrive en numéro 2. La numéro 3, je sais pas laquelle c'est. Enfin bref, quand j'ai vu des revues de cette palette, je ne savais pas qu'elle allait être aussi belle. J'espère que dans les zooms que je vais vous faire, vous allez vous rendre compte du truc de malade mental de cette palette. Alors en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que là par exemple, vous avez une rangée de fards néon. Et en dessous, vous avez des fards pailletés qui s'accordent avec le néon mat juste au-dessus. Sauf que moi, je pensais vraiment que c'était fards pailletés comme ça, mais non, ils sont multichromes. C'est un truc de malade. C'est un truc de fifou. Ensuite, là, vous avez une rangée de neutre et une rangée, enfin, de neutre mat, pardon. Et là, vous avez une rangée de deux fards mat et deux fards irisés. Et là, au milieu, vous avez un autre pailleté doré qui ne sort de je sais pas d'où, mais qui a des paillettes dorées, vertes et oranges dedans. C'est un truc de dingue, un truc de malade. Celui qui est tout en haut là, l'espèce de mauve, il est juste trop beau. Et au milieu, vous avez quatre pannes comme ça, avec que des couleurs pailletées, dont une avec des étoiles dedans. Non mais sérieux, je suis fan et je ne voyais vraiment pas sur les vidéos que cette palette était aussi belle. Je crois que c'est best investissement de ma life, sachant que ça m'a coûté 20 balles. C'est un truc de dingue, même pas avec la réduc, c'est un truc de dingue. Morphe, là en ce moment, j'ai un autre panier en cours sur leur site, je me tâte. Je me tâte parce que je me dis, c'est souvent des palettes où vous avez 50 000 nuances de rose, de bleu, de beige et tout ça. Enfin, je vous en ai déjà parlé en vidéo. Donc je sais pas quoi faire, si au final ça vaut le coup. Sachant qu'il y a aussi celle en collaboration avec Jeffree Star qui est juste ouf. Et grande surprise, en allant sur le site de Morphe hier, qu'est-ce que je vois? Maintenant ils vendent du Pelouise, du Jeffree Star. Pas Jeffree Star collaboration, mais Jeffree Star. Là, les palettes Jeffree Star, vous les retrouvez dessus. Vous retrouvez les bases Pelouise et vous retrouvez également la marque Beauty Bakery que j'avais vue en Angleterre. J'ai dit c'est ouf, je pense que, sachant qu'en plus vous n'êtes pas douané sur cette gamme-là, enfin sur cette marque-là. Donc, oh purée, je crois que je vais valider mon panier, c'est pas possible. Mais en même temps, j'ai fait un panier Beauty Bay là, 130 balles quand même. Hein. Donc voilà pour mon haul. Ah là là, il fallait pas me laisser comme ça enfermée chez moi pendant 8 semaines. Hein. Du coup, y en a qui ont explosé leur budget bouffe et tout ça. Moi, j'ai explosé le budget Mac. Ils en ont fait exprès, je pense. Et c'est vrai que pendant le confinement, il y a eu énormément de marques qui ont fait énormément de prix. Il y avait des prix partout. Des moins 50, des moins... mais pas sur Beauty Bay, non. Donc voilà, j'ai rempli en fait, enfin j'ai rempli, j'ai acheté la plupart des choses que j'avais mis sur ma wishlist, donc voilà, à part des petites choses qui sont venues se rajouter par-ci par-là. J'ai hâte de recevoir mes prochaines commandes pour pouvoir vous montrer encore une fois. Alors il n'y aura que des palettes, hein, je vous dis tout de suite, il n'y aura que des palettes. Pendant le confinement, Colourpop a complètement arrêté de livrer quand ils ont... commencer à relivrer les... quand ils ont commencé à relivrer les commandes, c'est là où j'ai commandé chez eux, chez Colourpop, donc moi j'arriverai après tout le monde. Les nanas ont mis plus d'un mois pour les recevoir, d'habitude Colourpop ça met pas autant de temps. Enfin, c'est pas grave, ça arrivera, et quand ça arrivera, je vous ferai un petit haul bien sûr, voilà. Bon, voilà mon gros craquage du moment, ça faisait du bien un petit haul, hein, ça change. Hein. Ça m'avait manqué. Bon, pas à mon porte-monnaie, mais bon, en même temps, c'est... Bon, je fais ce que je veux. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses, vous, qui vous ont fait craquer pendant le confinement. Si vous avez explosé le budget. Si vous êtes plutôt explosion du budget bouffe ou explosion du budget make-up. Voilà. Ou plaisir, fringue, peu importe, je le mets dans ce budget-là.
Encore une fois, merci beaucoup à tous ceux qui vont sur mon YouTube pour regarder des vidéos ou pour me faire des dons. Merci du fond du cœur. C'est voilà, à chaque fois je reçois des notifications et je suis juste ouf. Comme je reçois beaucoup de notifications, je vous remercie à chaque fois en vidéo parce que pour moi c'est la moindre des choses. Merci beaucoup, franchement vous êtes des amours. Et merci aussi à ceux qui passent par là, qui s'abonnent et qui like ma vidéo. C'est un plaisir, voilà, on va continuer à grandir cette chaîne encore et encore. Et ça me fait toujours autant plaisir de pouvoir partager les petites choses comme ça avec vous. Et puis voilà, mon quotidien avec mes vlogs et puis bah, mes craquages. Surtout MAC, hein, MAC Cosmétiques si vous passez par là. Quand est-ce que vous me sponsorisez? Voilà, c'est bien, de temps en temps avec Octoly, vous m'envoyez un rouge à lèvres. Mais là, j'aimerais bien recevoir toutes les collections. Bon, comme vous pouvez le voir, ça ne m'empêche pas de les commander, hein. Prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage, encore une fois, faites attention à vous, surtout c'est très important, surtout par les temps qui courent. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.